Bonjour, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc passe une bougie près de ta zone intime et il ou elle sera donc à toi. Donc ça c'est vraiment une comment dire un rituel où si c'est quelqu'un qui vous trompe ou si c'est quelqu'un. Vous voyez qu'il commence à s'intéresser ou elle commence à s'intéresser à d'autres personnes et que vous sentez qu'il y a, qu'il pourrait y avoir par exemple une attraction, enfin, quand je dis, ou un désir. Bon, ça arrive que quand on est en couple, qu'une personne ait une sorte, enfin, de désir ou de d'attirance vers une autre personne. Maintenant, de là à passer le pas. Là, c'est là que ça commence à être un peu embêtant puisque ce serait infidélité. Mais aussi, quand je parle d'infidélité, ça peut être physique, mais ça peut être aussi sentimental. Parce que dans une relation, il peut y avoir un homme ou une femme qui soit attiré par quelqu'un et que vous voyez qu'il commence à y avoir une complicité. Même si c'est platonique, il n'y a rien de plus horrible et même. Je prends un petit coup, et même destructeur quand vous voyez que quelqu'un a une sorte d'attirance ou vraiment, où vous, enfin vous sentez, vous savez, vous pouvez sentir ça, et qu'il y a une attirance ou une complicité vraiment enfin, très proche pour une autre personne. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu ça. Donc vous êtes avec quelqu'un ou vous êtes attiré par quelqu'un et cette personne, vous sentez qu'il y a une complicité avec une autre personne et que vous êtes, faut dire les choses, un peu jaloux, jalouse de ce rapprochement. Même si c'est platonique. Alors soit vous allez sentir qu'il peut se passer quelque chose ou alors la personne avec qui vous êtes vous dit non, non, mais c'est platonique, enfin il n'y a rien, y a rien entre nous, mais. Vous vous sentez quand même, parce qu'on a quand même un sixième sens, et même les hommes, vous sentez qu'il y a quand même quelque chose qui est pas logique, et que ça vous fait souffrir. Donc c'est vraiment un rituel pour ceci, et pour ceux qui, pour les femmes qui vont ailleurs, ou les hommes qui vont ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il vous faudra? Il faudra une bougie, il vous faudra un morceau de papier, il vous faudra, un bic. Et il vous faudra du fil rouge. C'est un rituel un peu spécial, je vous préviens déjà d'avance. Donc faites-le quand vous êtes seul, évidemment, pas que quelqu'un vous voit. Toujours, hein, les rituels de toute façon, et certainement celui-ci. Alors, n'oubliez pas que si vous voulez des rituels personnalisés, vous pouvez me contacter ici, donc sur cet email à contact@faraquet, avec un tiret au milieu, donc .com. Ou sur ce WhatsApp, plus 34 618 13 25 89 uniquement, pas de réseaux sociaux. Vous m'envoyez un petit message avec votre prénom. Souvent, les gens ne se présentent pas, mais moi, je ne vous connais pas en fait. Donc, votre prénom et en 3-4 phrases, un petit résumé de ce que vous. Comment dire? De ce que vous désirez, quel est le souci. Comme ça, je vous guiderai pour vous dire combien de rituels personnalisés vous aurez besoin. Parce que parfois, il faut faire plusieurs rituels ensemble différents pour les, j'appelle ça les cadenasser et les entremêler ensemble. Vous pouvez aussi vous procurer des rituels exclusifs que vous ne trouverez pas sur la chaîne YouTube. Donc ici, vous tapez soit Faraquet sur Amazon. Ou dans le lien en description sous la vidéo, vous trouverez quelques liens des livres. Il n'y a pas tous les liens, mais vous les trouverez sur un des liens. De toute façon, il y aura tous les livres. Donc, il y a aussi la loi d'attraction, sortir une relation toxique en 21 jours et ne pas replonger, ce qui est le plus difficile. Alors, on va commencer donc le rituel. Vous allez donc prendre la bougie. Alors, ça peut être une bougie chauffe-plat, ou ça peut être une bougie, vous savez, les longues bougies, ou des bougies comme ceci. Ce que vous allez faire, vous allez donc frotter, non, d'abord, pardon, vous allez prendre un morceau de papier, ok? Bon, là, il est un peu trop grand, et on va couper les bords, voilà, on va couper les bords.
N'hésitez pas à regarder donc 2-3 fois le rituel pour être dans une bonne énergie avant de le faire. Voilà. Vous allez mettre le nom et le prénom de la personne pour qui vous voulez faire le rituel. Voilà, c'est un rituel intime, on va dire. Voilà. Donc vous mettez le nom et le prénom de la personne. Vous allez ensuite donc prendre la bougie. Et la bougie, vous allez la frotter sur vos parties intimes. Donc si vous êtes une femme, il n'y a pas besoin d'aller en profondeur non plus sur le vagin, mais vous frottez dessus pour qu'il y ait, si vous voulez, sur la bougie, du fluide en fait. Votre fluide, parce que c'est ça qui va amener la sexualité. Vous allez voir que vraiment, en fait, si la personne est attirée par une autre, même si c'est amical, mais que vous sentez qu'il y a une grande complicité, ça va vraiment l'empêcher d'être attirée comme ça, même si c'est platonique, même si c'est quelque chose où ils ont tout ce que j'ai expliqué depuis le début, même si vous voyez que c'est une sorte d'amour, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de sentiment, quel qu'il soit, qu'il soit amical ou pas, ce rituel va vraiment tout bloquer. Et la personne va venir uniquement chez vous parce que ça va être vraiment phénomène d'attraction, de phéromone et tout ce qui est. Donc, vous mettez votre fluide, si c'est les hommes, ben vous le frottez au bout de votre zézette, hein, de votre zizi, voilà. Je ne vais pas dire des mots trop sexuels pour YouTube, sinon ça... Enfin bref. Donc ensuite, n'oubliez pas que vous avez le morceau de papier. Vous allez ensuite allumer la bougie. Voilà, comme ceci. Et vous allez mettre votre main autour de la bougie, donc pas sur la bougie, vous ne touchez pas sur le fluide. Donc le fluide, vous le mettez tout autour de la bougie, hein, d'accord? Tout autour, vous faites le cercle. Et vous allez dire, donc quand vous avez fait ceci, vous allez dire... J'offre cette lumière de cette bougie pour... Vous dites le nom et le prénom. En ce moment, je te conjure qu'il soit ou qu'elle soit fou amoureux de moi. On répète, j'offre cette lumière de cette bougie pour le nom et le prénom de la personne. En ce moment, je te conjure qu'il ou qu'elle soit fou amoureux de moi. Et ça, vous allez répéter 5 fois. Ensuite, vous allez enrouler le papier. Comme ceci, faire comme une sorte de cigare. Voilà. Vous allez mettre le fil autour, faire le premier nœud, ça ne va pas compter, et vous allez faire 5 nœuds, d'accord, avec le fil rouge. Et quand ça c'est fait, vous allez, avec la bougie, faire brûler le papier, avec le fil rouge. Vous faites brûler le papier, comme ceci, sans vous brûler. Donc, vous faites brûler le papier complètement. Voilà. Alors, si vous le voyez. Ça. Voilà. Vous faites brûler complètement le papier. Et la bougie, vous allez la laisser se consumer. Quand elle est consumée, vous jetez la bougie, les cendres, dans votre poubelle et vous sortez votre poubelle directement. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et si vous voulez des rituels et vous abonner, évidemment, des rituels personnalisés, vous savez où me contacter. Et on se retrouve pour un prochain rituel. Bye !